Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous faire un unboxing, encore une fois. Et bon visionnage. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de choses, c'est très très simple. Et donc on va prendre la 9-6 de montage. Ouais bah ça sert pas très... Oui bah voilà quand même. C'est pas très utile on va dire. Bon, voilà, donc là en fait il y a la béquille. Je peux m'expliquer comment on met. J'arrive déjà pas à mettre la béquille, donc j'ai pas en fait, c'est censé être rapide, mais c'est long. C'est dur. J'ai presque réussi. Mais... Moi, j'y arrive pas, c'est trop dur. Okay. Aïe, j'ai réussi. Tu peux le mettre, s'il te plaît, j'y arrive pas. Bon, ok. Attends, je crois que j'ai compris le concept. Bon, alors, voilà le personnage, déjà. Hein, on va le monter, ça. Voilà le personnage. Donc c'est un... J'arrive pas. Bon attends, voilà. Enfin... Donc voilà le personnage. Donc ça se monte le casque ou non? Je sais pas. Ça se démonte. Ah voilà. Donc J'arrive pas. C'est pas possible. Donc moi... Et en tout cas, ne vous inquiétez pas. C'est notre personnage et on essaye toujours de monter la béquille. Sans succès. Bon, alors on va vous montrer sans la béquille. Si voilà, vous parce qu'on a un peu du mal. Donc en fait c'est une moto enduro. Donc avec l'amortisseur même derrière qui fonctionne. Alors est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne comprennent pas, tu vois? C'est un motocross. D'accord, voilà. C'est mieux. Donc tu peux monter le personnage, oui, parce que je comprends pas comment ça marche là, je te connais. Enfin, pour la béquille, je suis vraiment désolée. Alors, attends, mais... parce que les mains elles sont un peu dures à faire aussi. Oh là là! C'est impossible. Ah voilà, ça y est, attends. Non, bon, celle-là elle est trop dure. Tu tournes la main d'abord et moi j'essaye de monter. Ça a tout démonté! Bon, bah, excusez-nous, hein, on essaye sans cesse de faire. Elle est partie encore en l'air. Donc, alors, je vous montre à la base ce que ça doit donner, hein. Ça doit donner ça. C'est une moto déjà, enduro. Jamais on n'arrivera à mettre cette position au niveau de la sans le toucher, voilà. Mais c'est pour vous montrer. Donc c'est quand je crois que j'ai démonté la roue. C'est référence 5111. Non, 115, pardon. Excusez-moi. Hein, sans la béquille parce qu'on n'y arrive pas. On est doué, oui. Ouais, alors, juste, pardon. Excusez-moi. Donc. Juste. Et on a aussi eu un petit catalogue. Non, catalogue de mobile. Ouais, mais on va pas s'en servir. Donc voilà. Non, mais attends, là, ça fait comme sur la. Bon, hein. Attends, pousse-toi, s'il te plaît. Ça fait comme sur la photo, voilà. C'est par contre, ça roule bien, c'est bien. Mais il n'y a pas la béquille. Voilà. Bon, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et. Je sais pas, attends, t'as dit quoi? À liker, à abonner et à commenter. Et à commenter, bien sûr, à commenter. Et oui! Donc en fait, c'était juste pour vous dire que nous sommes 2 semaines après avoir fait la vidéo. Et j'ai enfin réussi à mettre la béquille. Donc je ne sais pas comment on a fait, enfin comment on fait. Mais bon, on est super content parce qu'on a réussi à le mettre. Donc en fait j'ai mis un stylo dessus, puis j'ai appuyé un grand coup et puis ça a marché. Donc maintenant notre moto tient. Donc c'est génial et je suis super contente. Donc si vous avez des difficultés, mettez-nous dans les commentaires et puis après on pourra vous aider si vous n'y arrivez pas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. A bientôt les amis. Salut.